Miaou! C'est le miaou le plus beau de la Terre. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tes torses ont sonné en passant, hein? Ah, excellent. Avant que comme tu gaspilles du pain. Fantastique. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de batterie dans la caméra, ça commence vraiment pas bien. Comment tu peux être un plus de batterie dans la caméra? Plus de batterie dans la caméra. Prise 12, on va finir par y arriver. Bon, ok, maintenant je vais parler. Donc aujourd'hui, on a plein de petites choses à faire. Donc premièrement, on a le décor à faire dans le studio, fait qu'on veut commencer à placer les petits trucs puis tout ça. Il sera probablement pas fini pour la vidéo de ce week-end, mais il va l'être pour les prochaines. Dans le fond, on va vraiment faire ce qu'on peut. On s'en va chez le vétérinaire avec Fudge parce qu'il y a encore son œil qui coule, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais son œil coule puis j'aime pas ça, fait que évidemment on veut l'amener chez le vétérinaire. Plein d'emails envoyés, plein de téléphones à faire, du ménage, bref, une petite journée assez remplie honnêtement. Donc moi, il va falloir... Ouais, bien productive. Puis aussi, ce matin, on peut vous le confirmer, on s'en va à New York lundi et mardi, on est full excité. On peut te dire pourquoi? Bien sûr! On a été invité par Google au lancement de leur nouveau produit, donc leur nouveau Pixel. Ils vont voir d'autres produits aussi, fait qu'on est vraiment bien excités. C'est vraiment le fun qu'ils aient pensé à nous puis à nous inviter. Fait que Jay est comme hors de lui tellement qu'il est excité parce qu'il va enfin assister à un événement qu'il regarde sur son ordi d'habitude. Généralement, j'écoute toujours ça en bobette devant mon ordinateur en live, mais là, je vais être là. Exactement. Puis en même temps, ben, tu sais, dans le fond, on est du Québec, il va! Ça, on est cool! On a un petit deux jours à New York, fait qu'on va en profiter parce que jamais trop New York, c'est tout le temps le fun d'y aller. C'est parce qu'on est cool ou c'est parce qu'on est nerd? Un mix des deux, je pense. Nice! On est quand même cool, puis... On est des nerds cool! C'est ça, on est des nerds cool. C'est bien être nerd en passant. Au secondaire, tout le monde riait parce qu'on était nerd, là, mais c'est ça. Voilà. Donc, bref, sur ça, moi, je vais aller commencer. Non, c'est pas vrai. Je vais envoyer un message à ma comptable en premier parce que j'ai des papiers à y envoyer. Puis ma comptable, elle habite loin. Puis j'ai pas envie de conduire 2 heures pour aller porter des papiers. Fait que je vais y envoyer par la poste. Puis c'est ça. Je vais vérifier avec elle. Puis après, je vais aller sécher mes cheveux. Donc, on va aussi essayer quelque chose de différent dans ce vlog. Donc, comme vous savez, on a une caméra de vlog principale qu'on utilise tout le temps, qui est une Sony. C'est quand même une caméra assez dispendieuse. Elle coûte 1500 à 1600 $ avec taxes et tout. Donc, pendant ce vlog, quand Catherine tient la caméra, c'est vraiment notre ancienne caméra de vlog. Mais quand moi, je vais tenir la caméra, ben, je vais filmer avec la GoPro. On a la nouvelle Hero 7 Black et je vais justement tester... Ben, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est stable? Est-ce que le son est quand même bon? Est-ce que vous aimez le style? Donc, ça va être en 60 fps quand même, donc ça va blender super bien. Mais c'est super important de ne pas oublier que, un, la GoPro coûte 3 fois moins cher que notre caméra de vlog principale, et que, deux, la GoPro aussi, ben, la fois est 3 fois plus petite que notre caméra de vlog principale. Donc, oui, ça va switcher entre les deux styles, mais c'est ça le but. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc, est-ce que vous trouvez que la GoPro fait une belle qualité? Est-ce que vous trouvez que le son est quand même bon? Est-ce que, si un exemple, un vlog un jour, on va tout le faire avec la GoPro, est-ce que ce serait poche? Est-ce que vous préférez la GoPro? Est-ce que vous détestez le style de la GoPro et le son? Donc, juste dites-nous dans la comparaison en bas... dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de un ou l'autre. Donc c'est vraiment pour pouvoir tester, voir est-ce que ça se fait. Donc si je me déplace rapidement et tout, c'est censé être beaucoup plus stable. Le son, je pense pas qu'il va être mieux. Je pense que le son va être un peu moins bon, ce qui est quand même normal. C'est une caméra qui est faite pour être submergée dans l'eau demain matin. L'autre, ben, elle meurt si on la submerge dans l'eau. Donc c'est juste vraiment pour voir est-ce que vlogger avec la GoPro et fait quand même un très bon résultat ou non. Donc moi, je vais vraiment vlogger avec. J'ai laissé le style comme wide parce que je trouve ça quand même ben, différent et intéressant. Donc, on va voir. Sinon, comme vous savez aussi, on travaille sur un nouveau jeu. Donc, ce que je teste aujourd'hui. Donc, le nouveau jeu va réellement être plusieurs jeux. Donc, dans le fond, dans le nouveau jeu, il va y avoir plusieurs mini-jeux. À date, ça va être 2 ou 3, surtout pour quand ça sort. Donc, je suis en train de tester le premier mini-jeu. Il est en route pour être... bien fonctionnel et bien prêt, donc là je travaille sur tous les effets et tout. Je veux que ça soit un peu plus sophistiqué que Super Fudge et qu'il y ait plus de variété aussi, parce que Super Fudge c'est le même jeu tout le temps, avec le nouveau jeu, que je ne dirai pas le nom encore. L'avantage c'est que si vous vous tannez d'un petit jeu, ben, il y a un autre petit jeu, et le jeu va être aussi plus beau visuellement, il va avoir plus d'effets plus avancés, donc un exemple de la physique, donc les objets pourront faire des collisions ensemble et tout. Donc en général ça va être un jeu beaucoup de fun et beaucoup de plaisir. Qu'on vise décembre qui soit sorti. Donc si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo de moi et Catherine qui joue au Lego. On parlait de plein de choses et
C'est ça. Sinon, comme j'ai dit, moi aujourd'hui, je m'attaque au décor. Donc, j'ai comme plein de petits trucs ici et là. T'sais, on veut vraiment faire un petit décor cosy d'automne, là, ben cute. Donc, ça s'en va. Là. C'était vraiment juste pour prendre les photos qu'on l'avait accroché contre le mur, mais ce sera pas là. Donc, j'ai comme des petits tricots t'sais, que je vais vouloir installer. J'ai le petit panier avec des petites couvertures. Ça, on les avait achetés dans, je pense, l'avant-dernier vlog qu'on a mis en ligne. C'est ici. Mais je voulais vraiment, comme, t'sais, acheter le moins de choses possible. Puis vraiment avoir des choses. Qu'est-ce que tu fais? Je viens voir. Ah, ok, d'accord. Non, c'est parce que je me demandais qu'est-ce que tu faisais avec ça. Ah, ben je vais mettre ça comme poignée à la place parce que l'avantage, je peux comme... la côté. D'accord. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, je voulais pas acheter trop de choses pour ce décor-là. Je voulais vraiment regarder, tu sais, tout ce que j'avais à la maison. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je vais faire, là. Je vais commencer à placer les choses, puis après, je vais voir si jamais il me manque des trucs, là. Je sais que je voulais des bougies d'automne, de toute façon, parce que j'en avais plus. Fait que, tu sais... joindre l'utile à l'agréable, des bougies pour le décor, mais des bougies que je vais pouvoir faire brûler c'est aussi. C'est quoi des senteurs d'automne, autres que citrouille? Ben, ça peut être genre cannelle, ça peut être... ouais, waffle, blueberry. Waffle. Puis en ce moment, ils sont en rabais au Bath & Body Works, fait que ça vaut vraiment la peine. Des gaufres. Ce serait bon, hein? Plein de gaufres. Ouais, fait que c'est ça, je vais commencer tranquillement à tout rapatrier les choses que j'ai, puis... à commencer à installer ça dans le décor. Là, dans le fond, comme j'ai dit, ça se peut très bien qu'il soit pas fini pour la prochaine vidéo, parce qu'il va peut-être manquer quelque chose ici, parce qu'on va peut-être le faire faire, mais ça se peut qu'il soit pas prêt. Faudrait que je les appelle, voir s'ils peuvent nous le faire. On voulait comme un petit arbre. Je sais, mais tu étais censée gérer ça, Catherine. Je sais, mais j'ai complètement oublié hier, on a eu un petit contretemps, disons. Parce que là, on aura ni ça, ni le chat noir pour le décor. C'est vrai, parce que ton imprimante 3D est brisée. Oui. Bon, ben on va mettre vrai fudge dans le décor. Comme s'il va dire oui, tu sais. Restera pas. Non, mais on va trouver quelque chose, là. Je vais commencer par faire l'étagère ici. Toi, faudrait que tu m'enlèves ça. Puis, on va y aller avec ça pour commencer. On verra. On pourrait mettre un petit timelapse. Ouais. Ouais, donc juste un petit test vite. Ça va être beau, ça. Je pense que oui. Je pense que ça va être cute sans le truc bleu, évidemment. Là. C'est juste parce qu'on dirait que ça vient tout débalancer. Mais ça, ben, en même temps, bleu et orange, ça fait un très beau combo. Ouais, c'est beau, mais c'est juste que ça ferait bizarre un peu. Là. Mais... être proche comme ça, ça fait... attends, ça a difformé sur ta face. Là. Ouais, tu... T'avais l'air d'avoir un très gros nez. Je sais pas s'il y a un micro en arrière ou le micro est en avant. Je sais pas. Tant qu'on m'entend. Tant qu'on entend ma belle voix. On s'en va chez le vétérinaire. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'on voit de ma perspective comme... Catherine! J'aime ça, wide. Excellent. J'ai toujours été un fan de GoPro. C'est pas beau. Bon, non, mais c'est ça, tu gardes juste, mettons, de même avec ça. Oui, c'est vrai. Sinon, ben, mon bureau, il est... C'est ça. Je pense que je vais faire un tantinet. Un tantinet de ménage. Je vais mettre un timer. Je vais mettre un timer de 30 minutes. Non, même pas. Un timer de 20 minutes. Et je vais me donner un 20 minutes de temps juste pour nettoyer ça. Même si c'est fait au complet, même si c'est pas fait au complet, j'ai déjà un 20 minutes de temps dessus, c'est mieux. Je pense que c'est plus facile de le faire, de se dire une tâche au niveau du temps qu'au niveau de l'accomplissement. Fait que je vais donner 20 minutes d'effort, rendre mon bureau un peu plus beau, et, parce que les timelapses, on va quand même les faire avec les anciennes GoPro qu'on a, je vais quand même faire ce timelapse-là avec la nouvelle GoPro, juste pour voir, ben, parce que je l'aime. Ouf. Doux. Pas mal moins pire. Quand même moins pire. Il y a encore des gugus qui traînent. Mais c'est que... ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces gugus-là, comme j'ai semi de besoin. Comme ça, j'ai beaucoup de paires d'écouteurs. Ça, si je parle au niveau du gaming. Ça, c'est quand j'écoute ma musique. Ça, c'est pour quand je voyage. Donc, tu sais, j'ai comme. Je comprends, tu sais. Mais tu sais, gaming, tu t'en sers pas ces temps-ci. Voyage, ben. C'est triste que tu viens de me dire là, Catherine. C'est vrai. C'est hein? Vraiment triste. Je vais pleurer, Catherine. Ok. Sinon, sur mon bureau, clairement, mon coin préféré, c'est le coin à gauche. C'est le coin Apple, avec tous mes magnifiques produits que j'aime tant. Regardez mon iPad, puis mes iPhones. Il n'y a plus de batterie. C'est vrai, les iPhones ont des batteries de merde. Mais, hein?
mon coin joyeux. Ça, c'est parce que je vous aime, OK? Parce que le jeu va être compatible sur tablette. Donc, tablette Android. Je sais que tablette Android, c'est sûr, ça fonctionne. J'ai pas besoin de tester. Mais j'ai un iPad pour tester, sinon, ici. Donc, OK, c'est vrai, ça fait du bien. Un peu plus de place. Je suis content. Je sais pas si vous le voyez, mais à l'intérieur, il y a du Minou. Notre paquet le plus précieux. Oui. Donc, on s'en va livrer justement une commande de chinois. Oh! Du délicieux ouais. Chinois à aller manger. Et c'est ça, on s'assure que la bouffe reste fraîche. Oh! Il est gros et gras. Non, ça va vérifier son petit œil encore. Je suis étonné qu'on le voit quand même bien. Il y a comme pas de lumière dans sa petite cage. Oh! Meow! Meow! Ça. Hey, voilà! Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Meow! Est-ce qu'il y a Fudge? On va aller faire vérifier ton œil, monsieur. Ah, Titi. Fudge, est-ce que t'as pété? Ça sent le pète. Crota. Fudge, regarde-moi, regarde ton père. Gros minou. Si seulement on pouvait amener les chats dans les restaurants, je l'amènerai au Saint-Hubert après. Tu l'emmènes dans un restaurant chinois, je pense qu'on peut te le cuire sur place. Non, dans un restaurant pour que lui il puisse manger. Ah, fallait que tu sois plus précise. Oh. Fudge. Si je fais à l'envers, est-ce qu'il va automatiquement flipper? Ah, je pense que non. Si je pars l'enregistrement à l'envers, là, il garde. C'est plus facile, comme ça, je peux mettre la caméra plus basse. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Au lieu de jazz, ça va être pause. Salut! Fudge, regarde ici. Fudge, veux-tu être le thumbnail? Si tu regardes ici, t'es le thumbnail, Fudge. Oui. Fudge? Je veux rien savoir. C'est quoi les petits bonbons? Pensez que c'est des gâteries? Gros mignon. Qu'est-ce qui s'enleva sur son pelage? Miaou! 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 C'est le miaou le plus beau de la terre. Allons-y. Oh fudge. Le rêve de Catherine est d'avoir un sofa comme ça. Oui. De tapisserie comme ça. Bon, d'être. Il faut juste que ça soit ça. Fudge. Il est trop noir, on le voit pas. Merci. Donc, piston? Ben, ça va bien. Il y a eu des petits tests plus poussés, mais il va s'en sortir. Il y a des petites gouttes encore. Puis. Un piston? Il va être correct, le beau garçon. T'es curieux, toi? Il est excité d'avoir de l'air. Ouais, c'est ça. Viens, dans l'auto. Gros garçon. Donc, il est maintenant 7h52. Oui, le temps a passé. Donc, on est revenu avec Fudge. On a mangé. On a regardé des affaires d'adultes extrêmement plates. Qu'on va peut-être vous en parler éventuellement. Il y a eu une petite touche de ménage qui a été faite. Et là, dans le fond, on va aller au Carrefour Laval pour aller acheter certains petits trucs qui manquent pour le décor. Et aussi une tatasse, une crème glacée. Peut-être. Je traite un peu, mais ce serait le fun. Toujours bon, une crème glacée. Et c'est ça, après ça on va revenir, puis on va essayer de patenter le décor un peu, le but de filmer d'ici 2 jours environ. Donc, hey Fudge! T'es trop noir pour qu'on te voie à la caméra. On a acheté les chandelles. Ouais. Et là on va aller voir pour
le gros arbre qu'on veut dans le fond pour notre décor. C'est juste éviter de voir si on peut en avoir un plus tôt, sinon il faut quand même aller faire construire l'autre. C'est ça. Ce qui va prendre quand même du temps. Ou qu'on le construit nous-mêmes, ce qui va aussi prendre du temps. Exact. Tout prend du temps. Voilà. C'est drôle, c'est la chose qu'on n'a pas. Exactement, du temps. Exactement, du temps. On devrait avoir comme plus de temps dans une journée. Oh, s'il y avait juste deux heures de plus dans une journée. Mais en même temps, tout le monde aurait deux heures de plus, fait que tout le monde s'adapterait pour deux heures de plus. Fait que là, on serait comme, ah, il devrait avoir 28 heures dans une journée. C'est vrai. Ça finirait jamais. Exactement. Bah, donc selon sur quoi je travaille ce soir aussi, c'est l'automne, et comme vous le savez, on a un décor d'automne, mais ce serait bizarre qu'on ait un beau décor d'automne et qu'il y ait encore des livres qui tombent du ciel sur Girly Addict, ça ferait pas très très de sens. Donc voici une belle petite photo de Catherine, un peu plus d'automne, là, elle paraît comme jaune avec les yeux bleus laser, mais justement j'ai dû un peu débleurifier ses yeux parce que sinon ça ressemblait vraiment comme des yeux laser à cause justement de la lumière et tout. Donc des fois c'est con, mais des fois il faut comme rendre une personne plus grosse ou mettre ses yeux moins clairs ou comme des ajustements comme ça pour que ce soit plus réaliste. Donc oui, des fois, il faut le mettre plus, mais des fois, il faut le mettre moins. Donc, une fois que toute la photo est faite, j'ai aussi fait le fond qui va être pour Girly Addict. Donc ici, j'ai un petit simulateur, dans le fond, pour Google, excusez-moi, pour YouTube. Et voilà, non, mauvais piton, allez patienter. Votre appel est important. Et voilà. Donc, pour YouTube, ça prend un fichier grand format comme ça. Parce que si vous regardez une chaîne sur les télévisions, YouTube veut avoir justement le fichier en gros, si on veut. Donc, faut créer le fichier en gros comme ça ici. Sinon, voilà de quoi qu'il y a de l'air sur la majorité des téléphones. Donc, j'ai fait mon petit simulateur ici pour être capable de voir sur une chaîne YouTube, dans le fond, sur votre téléphone, de quoi que ça a de l'air. En gros, de quoi que ça a de l'air. Et aussi, j'ai importé pour la petite photo, tada, pour que ce soit en rond, donc pour pouvoir visualiser. Donc là, c'est de faire justement tous les petits tests, comme vous voyez, pour s'assurer que le tout fit, que le tout est beau et que le tout est bien coquin. Comme vous pouvez voir, c'est nos nouveaux arbres, tout en 3D. Donc, il va aussi avoir le style qui va avec pour le reste, dans le fond, des vidéos et des animations. Mais sinon, le rose et les arbres, c'est assez étonnant comment c'est assez beau. T'as-tu la caméra de vlog à côté de toi? Non, elle est dans mon sac. Ah, oh, loin. Le sac à dos là ou le sac devant? Le sac à dos là, là. Lui à terre? Non, lui qui est lui en haut. Ah, oh, me lever. Par exemple, si je m'assois, ah, puis je le mets exactement à la même place. Donc ça, c'est la caméra avec toi ici. Bonjour, mon nom est Catherine. En fait, ton nom est Catherine. Et tu aimes beaucoup les rectums. Et là, je vais mettre la caméra à la même distance au long de mon bras vers moi. Bonjour, mon nom est Jay. Comment allez-vous? Et ça, c'est la caméra de vlog habituel pointé vers moi justement à la même distance. Lui par exemple, je vois l'écran, donc c'est un peu plus facile de voir. Et là, si je le mets environ à la même place, si je te filme toi, de quoi que ça a l'air. Donc ouais, déjà les couleurs sont comme un peu mieux. On s'entend aussi, la caméra vaut trois fois le prix. Mais tu sais, elle va pas dans l'eau en plus. Puis étonnamment, elle ne filme pas autant de format que la GoPro, mais la qualité est assez différente. Donc là, je vais retransitionner d'exactement où est-ce que ça c'est vers la GoPro de la même façon, pour justement comme bien comparer entre toutes ces belles petites gugus. Ben c'est plus pour moi un comparatif, tu sais, de le voir switcher d'un à l'autre à la même place pendant qu'on parle. Tu sais, je m'attends, je sais pas, que le son soit moins bien sur la GoPro. Mm-hmm. La GoPro c'est le fun parce que c'est super wide, donc ça donne vraiment un gros impression de, tu sais, d'être là avec nous. Le son par exemple sur la GoPro, il peut l'enregistrer comme séparé, mais ça serait juste chiant à gérer. Ouais. Donc, je sais, je vous mets des tests caméra d'en face, mais on fait tout ça ensemble et en même temps de tourner pour pouvoir vous mettre tout... Oh non, fais pas ça, j'aille ça quand tu fais ça. C'est Catherine est pognée à faire le montage après, puis elle est juste comme, ça va pas bien. Tout le monde aime pas ça. Je sais. Je viens de prendre ce fantastique médicament qui s'appelle du Monurol. C'est dégueulasse, ça goûte vraiment dégueulasse, comme ça goûte un peu comme le vieux vomi, là, comme ça. Je l'ai fait sentir à Jay, puis lui, il était comme, ben non, c'est pas si pire, ça sent la rame. Non, non, ça goûte vraiment dégueulasse, là. Ça sent Non, mais ça goûte mauvais, puis dans le fond, c'est un fantastique médicament en sachet à dissoudre dans de l'eau pour les infections urinaires. Je suis tellement contente. C'est bien le fun, mais le seul point positif, c'est que j'ai appelé à la pharmacie aujourd'hui, puis j'ai même pas eu besoin d'aller voir le médecin. Dans le fond, ils m'ont juste comme represcrit le médicament parce qu'il avait déjà été prescrit. Ouais, non, parle-moi pas de ça, s'il te plaît, je suis un petit peu tannée en ce moment. Fait que, ouais, je l'avais pris la dernière fois, puis j'avais fait un peu de fièvre, fait que je pense que je vais aller me coucher puis espérer ne pas faire de fièvre, mais je vais comme caler mon petit verre d'eau avant d'aller me coucher, parce que je pense que c'est mon problème, je bois pas assez d'eau dans la vie,
faut que j'en boive plus. Fait que je pense que ça n'a pas aidé, disons. Fait que c'est ça, je pense que je vais aller me coucher, relax. Oublie pas ton chapeau. C'est pas mon chapeau. C'est ton chapeau. Non. Non, je pense que je vais aller me coucher, me croiser les doigts pour pas faire de fièvre, puis plus avoir mal quand je fais pipi demain, parce que c'est vraiment déplaisant. C'est vraiment, 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 vraiment pas le fun. Ça va? Tu veux-tu faire le mot de la fin? Il y a une partie de moi qui est comme, ben non, moi je reste réveillé, je vais peut-être vlogger des choses. Mais en même temps, je vais sûrement oublier de faire le mot. C'est ça, fait que fais-le donc tout de suite. Au pire, gars! C'est quoi? C'est mieux de, si j'ai quelque chose d'autre à montrer, de le montrer, et pire des cas, je ferai le mot de la fin en l'oubliant, que de pas vous montrer quelque chose, de faire le mot de la fin tout de suite. Fais le mot de la fin tout de suite, fais-le en prévision de. Au pire, si tu veux montrer de quoi, on... Gars, s'il décide de montrer quelque chose au montage, je vais couper ici, puis je ferai le mot de la fin. Puis si jamais il montre rien d'autre, on mettra le mot de la fin. Fait que ça veut dire que si ce clip vidéo est continuel, c'est... non-stop, ça veut dire que j'ai oublié de filmer quelque chose de plus. Ou que t'avais rien d'autre à montrer, mais si le clip coupe okay, dans genre quelques secondes... C'est bon. Il est présentement 4h16 du matin, et je veux juste dire, dans ta face Catherine, j'ai mis un post supplémentaire, voici une vidéo de plus de moi qui dit quelque chose dans tes dents. Et je fais aussi les rendus de tout ce qui est les animations 3D. Et j'ai aussi avancé un peu le jeu. Donc, à toi, Jay. Quel homme. Avec une caméra wide, d'avoir ma face proche comme ça, ça doit vraiment pas me mettre à mon avantage. Autant être laid de A à Z. Tac. Théoriquement, là, vous venez de revenir de moi qui a présenté quelque chose parce que j'ai pas oublié de vlogger quelque chose pendant la soirée. Hein? Non, non, ce clip ne sera pas continuel. On vient de revenir de la coupure de moi qui a montré quelque chose. Okay? OK? Et voilà. Donc, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Et ça, c'est en passant, future Catherine, j'espère que tu regrettes d'avoir douté de moi, passée Catherine. OK, je regrette. Et voilà, parce que clairement, il y a eu une coupure là, juste avant, mm-hmm. Et j'ai dit quelque chose, j'ai montré quelque chose. Je suis bien certaine. Je te fais confiance. Ça veut dire non. Oh mon Dieu.